Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est... Oh, regardez. Tu viens dire bonjour, Chanel? Ah, oh, ça c'est mon chat. C'est Chanel, elle a 5 ans. Tu dis bonjour? Bonjour les abonnés. Donc voilà, c'est vraiment du direct, vous voyez. Elle vient faire un coucou à la caméra. Elle est très peureuse. Alors, je ne sais pas si vous avez des chats. Et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire comment il s'appelle, ce que vous avez comme... si c'est un mâle, si c'est une femelle. Moi, elle a 5 ans, j'ai eu la SPA, je l'ai pris la SPA en fait. Et elle était toute seule et tout, était abandonnée. Et j'ai fait une belle action et j'en suis très contente. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Et franchement, elle me suit partout. Quand je m'en vais à son nuit, on lui a acheté un beau collier doré. Bon bref, voilà. C'était la petite parenthèse de mon petit chat. Donc, je vous fais cette petite vidéo concernant mon haul de Paris. Voilà, comme je vous ai dit... Alors, j'en mets bien mon truc parce que... Voilà. Comme je vous ai dit, je suis allée à Paris il y a quelques jours. Et donc, qui dit Paris, dit un petit peu de shopping. Donc, voilà. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse aussi concernant la vidéo avec ma fille. Il y a une personne qui m'a mis un commentaire en me demandant si ma fille était trop maquillée pour son âge. Donc écoute, si tu regardes cette vidéo, j'ai envie de te répondre que ma fille ne se maquille pas du tout comme ça pour aller au collège, heureusement d'ailleurs, puis je ne voudrais pas. Elle met simplement une crème hydratante, une bébé crème et un petit peu de mascara. Bon, je pense que si vous avez des filles de 13 ans, voilà, elles mettent un petit peu de mascara. Mais non, 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 elle a voulu se faire jolie pour être avec maman, pour faire la vidéo. Donc voilà, donc en aucune façon, elle met du rouge à lèvres rouge comme ça pour aller au collège. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Tout simplement. Donc c'est parti pour le haul. Donc alors, je suis allée chez Zara. Qui dit Zara dit craquage, voilà. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un pull. Donc c'est un pull. Donc il existe en bleu marine et il existe en gris. Moi je l'ai pris en beige parce que je suis toujours en noir, donc un peu de couleur. Donc il est comme ceci, court devant et un petit peu long derrière. Et au niveau des manches, voilà, on peut faire un petit nœud comme ceci. Et je trouve vraiment mignon. Et surtout chaud. Donc voilà. Et au teint, voilà. Ça rehausse un petit peu parce que moi qui est toujours en noir. Je l'ai pris en taille M et je l'ai payé 39,95€. Donc voilà les filles. Donc j'étais voir un petit peu les soldes, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait surtout plus ma taille déjà. Puis ils n'avaient pas fait grand solde. Hein. Et donc après, je me suis racheté un autre pull. Donc celui-ci, il est ce que j'aime bien. En plus, il est très chaud. C'est un petit pull court comme ça. Un peu rose poudré, manche chauve-souris, comme ceci. Donc, à mettre, je vais vous faire voir, j'ai acheté une longue chemise blanche. Donc, je vais le mettre avec. Donc là, je vais vous dire quelle taille j'ai pris. J'ai pris du M, hein, toujours. Moi, c'est du M ou du L, hein, parce qu'avec la poitrine, je préfère. Puis, j'aime bien quand c'est large. Et je l'ai payé 29,95€, ce petit pull. Donc, ça, c'est pareil. Là, j'ai pris un petit peu de couleur, parce que sinon, j'achète que du noir. Alors, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Et donc, je me suis acheté une chemise blanche. Donc, c'est une longue chemise comme ceci. Très simple. Hein. Donc, voilà, avec les manches double boutonnage. Que je mettrai comme ceci. Je rajouterai mes pulls que j'ai achetés. Hein, pour avoir un petit peu... J'aime bien quand ça dépasse un petit peu de mon pull, moi, en fait. Et donc, cette chemise-là, je l'ai pris en taille M. J'ai hésité pour les boutons, mais bon, M, ça va. Et je l'ai payé 19,95€. Donc, c'est la chemise toute simple. Hein, la liquette, quoi, on va dire. Donc voilà, donc là je suis allée sur les Champs-Élysées, hein. Oui j'ai pas la prétention de me la péter, mais là pour le coup c'était au Zara des Champs-Élysées. Donc ensuite, comme dit Champs-Élysées, dit MAC évidemment, donc je me suis arrêtée chez MAC, ils sont très très gentils à la boutique de chez MAC. Je me suis achetée, je l'avais pas, donc je vous mettrai le lien de ma vidéo avec mes anti-cernes. Donc je me suis acheté l'anti-cerne, le Prolong Wear Concealer Cache Cerne. J'ai pris la teinte NC20. Donc je vais tester, j'en entends parler que du bien. Je ne l'ai pas encore testé. Donc bah voilà, je me suis dit c'est l'occasion, comme j'étais là, bah, je vais le prendre. Donc j'ai pris ça et ensuite je me suis pris un crayon contour des lèvres. Donc c'est le Chicory. Donc c'est un crayon un peu marron orangé.
Donc en fait, on peut le mettre aussi sur toutes ses lèvres. Je vais vous faire un petit swatch pour voir la couleur. C'est très beau, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un marron brique en fait. Donc vous pouvez le mettre contour des lèvres ou sur toute la lèvre. Et moi, je rajoute un nude dans le milieu pour bien estomper. Donc j'ai mis cette couleur, le mien était fini. Donc voilà. Donc ensuite, je me suis acheté, j'ai été à Sephora des Champs-Élysées. Manuel, qui passe par là, je te fais un gros bisou, hein, parce qu'il travaille là-bas. Ah donc, il nous a gâtés au niveau des échantillons, hein, voilà, comme d'habitude. Donc je me suis acheté, je voulais l'essayer, le lait micellaire démaquillant à la noix de coco de chez Sephora. Donc c'est une bouteille de 100 ml, yeux et visage. Donc je vais tester, voilà, et l'odeur. Alors attendez, ça devrait être une tuerie parce que moi la noix de coco, j'en suis très fan, surtout l'été. Donc là c'est l'hiver, ça va réchauffer un petit peu. Donc hop, je... Bon, c'est pas trop... c'est pas trop non plus... trop fort. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Hein? Donc elle m'a dit pour les peaux sèches, tout ça, irritées, il est bien de prendre celle-ci. Moi sur le coup, je voulais prendre celle à la rose. Mais non, il me dit prends plutôt celle-ci. Donc j'ai suivi son conseil. Ensuite, je me suis acheté... un lipstick matte, lipstick matte liquide de chez Kat Von D. Voilà. Donc, comme vous savez tous et toutes, la sortie s'est faite là début février. Mi-février, je crois. Non, janvier. Oh là là, je sais plus moi. Janvier. Donc, je suis complètement désorientée moi. Je suis partie, je suis revenue. Je sais plus comment je vis. Donc, j'ai pris le Noble. Donc, je vais le tester avec vous. Voilà. Donc c'est un nude toujours, hein. J'ai du mal avec les couleurs foncées, ça me donne des petites lèvres. Là j'ai mis un foncé, c'est un de chez Huda, mais je suis pas trop fan. Donc c'est un nude et j'adore la couleur. Il ira bien en plus avec mon crayon, regardez. Je le mettrai avec le crayon de chez MAC. Donc c'est un nude. Donc voilà, ils sont bien, mais ils sont pas très asséchants. Ma fille en a j'en ai acheté un nude. Je l'ai essayé et franchement, ils sont en transfert, ils durent toute la journée. Je les aime bien. Je suis fan des Huda, moins des Anastasia, mais celui-ci, franchement, on n'a même pas l'impression qu'on a mis un lipstick sur les lèvres, quoi, en fait. Donc voilà. Donc la couleur, c'est le Noble, les filles. Ensuite, j'ai craqué, je me suis pris la palette. La palette contour des yeux. Voilà, qui se compose comme ça. Donc ça, vous avez dû revoir et revoir des vidéos sur YouTube. Je ne vais pas vous en parler pendant 20 ans. Donc moi, ce que j'aime, alors le design de la palette, effectivement, hein, c'est vraiment classe. C'est noir, c'est sobre. Là, merci Kat Von D, il y a au moins un miroir dans la palette. Donc ça, on est fan. Regardez-moi ces couleurs. Oh, surtout celle-ci. Celle-ci. Oh, elle est belle. J'aime beaucoup. Donc moi, je me penche plus maintenant sur des fards à paupières mates. Parce que c'est vrai que les fards irisés, après, quand on commence à avoir un âge, attention, ça reste juste mon point de vue à moi. Je ne dis pas qu'à d'autres personnes ça ne va pas, mais je préfère mettre des mattes maintenant. Donc voilà, je mets un petit peu d'irisé, mais au milieu de ma paupière, c'est tout. Mais toute la paupière en irisé, ça abaisse ma paupière et j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai pris cette palette là et c'est tout. Voilà, après j'ai eu plein d'échantillons, il m'a donné une trousse, j'ai eu des échantillons de chez Sisley, enfin, j'étais gâtée hein, comme d'habitude au niveau des échantillons, moi je peux pas me plaindre, c'est vrai que... Et dans la trousse, il y a quelque chose dans la trousse, attendez, je regarde, j'ai même pas vu. Et dans la trousse, c'est quoi? Ah, c'est une petite trousse clinique en fait que j'ai eu. Et dedans, il y a quoi? Il y a un soin défatigant pour les yeux. Ah, j'avais pas vu. Et c'est quoi ça? Oh bah écoutez, regardez. Je découvre avec vous. Et dedans, il y a quoi? Il y a un mascara. Celui-ci. Attendez, je vais le mettre à l'endroit. De chez Clinique. Hop, hop. Alors, attendez. Voilà. Oh, merci beaucoup.
Je connais pas du tout le mascara clinique. Si vous connaissez les filles, je veux bien. Bon, je peux pas l'ouvrir. J'ai pas comment. Bon, écoutez, je verrai ça après. Donc en fait, c'est une petite pochette clinique. Ah, trop mignon. Donc ça, c'est pratique. Les pochettes, je suis fan. Hein. Moi, j'ai les pochettes, j'en ai partout. Mon sac, sac de sport, voiture. Il y a toujours mon accessoire de partout. Donc voilà pour mes petits achats que j'ai fait. Bon, voilà. Bon, il n'y en a pas trop, mais bon, on a déjà assez. Hein, c'est déjà pas mal. Je vais essayer la palette. Je vous dirai hein, si c'est pas mal. Mais apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Et puis, ce petit rouge aux lèvres, regardez, il a séché. Donc, c'est bien mat. Hein. Et je vais le mettre avec le petit contour des lèvres de chez MAC. Voilà, voilou. Bah, écoutez, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous ai présenté mon chat Chanel qui est venu vous faire un petit coucou. Je vous remercie d'être aussi présente sur ma chaîne. Je souhaite évidemment la bienvenue à tous ceux ou toutes celles qui viennent de s'abonner. Et tous ceux ou toutes celles qui veulent s'abonner, ben, je vous souhaite également la bienvenue. Je vous mets des codes promo Sephora en dessous là, la barre d'infos. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à regarder. Je perds mes mots de temps en temps parce que je peux vous rajouter des codes promo qu'il y a à Sephora. C'est toujours ça, moins 10, moins 20, enfin voilà, moins 25. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà, en tout cas moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire pour vous et que ça vous aura donné des idées. Et puis surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis si vous avez un chat, et puis voilà, si votre fille aussi, si elle a 13 ans, elle se maquille ou pas. Donc voilà, ça serait très intéressant. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous. Ciao, ciao. Bye.